Et selon Joël chapitre 3 à partir du verset 28, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne ce grand jour du Seigneur. Et dans Actes chapitre 2 verset 20, l'apôtre Pierre dans sa première prédication a répété cette parole. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ésaïe chapitre 49, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Voici le jour du salut. Ainsi, à la fin du jour du salut, au temps où les moqueurs vont dire, où est la promesse de son retour? 2000 ans sont venus et sont passés. 2000 ans, et si il faut occuper les qui? Où est la promesse de son retour? Et l'Écriture dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa volonté. Jésus-Christ reviendra au moment opportun. Et nous sommes très très proches à la seconde venue de Christ. Nous ne sommes pas seulement à la fin des temps. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu 24. Dans Marc chapitre 13. Marc 13. Dans Luc chapitre 21. Notre Seigneur a parlé de signes du temps de la fin. De ce qui va se passer avant son retour. Et à trois reprises, c'est écrit. Quand vous verrez toutes ces choses arriver, et vous savez, alors vous savez que le temps est proche. Et même à la porte. Et comme il peut la porte, si vous voulez. Et non pas seulement proche. Et c'est le cas de pénétrer. Mais là même à la porte. Et c'est ça, on appelle la porte. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Et comme il a été à ma maman là. Il y a de cela 8 ans. Et les Kimoula Moambe. 80 ans. Et les Kimoula.